maintenant, Joss. Oui. Quand t'as une voiture, tu vas en direction de Mérignac pour aller voir Thomas Vanier, Oui. ce magnétiseur bordelais. C'est ça. Un truc Alors. auquel je ne crois pas du tout, hein. Donc, D'accord, tu crois pas du tout au magnétisme, au coupe-feu, non, etc. non, non. Moi, j'avais mon grand-père qui conjurait les verrues, mais bon. Alors, attendez, je retrouve ce que je fais. Enfin, en tout cas, le lieutenant Joss n'y croit pas Alors, après. je vais mettre la musique du lieutenant Joss maintenant. Vas-y. Parce qu'il est Hutch. Ah là là. Tout y passe. Ouais. Alors, attendez. Hein. Tac tac tac, c'est où? On a un canapé très très confortable, hein. Rappelle-toi, il est très très grand. Ouais, mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça marche pour les deux. Oui, non, mais c'est vrai. Tu arrives donc à Mérignac. Il pleut, Oui, comme encore, d'habitude. comme d'habitude, comme tout le mois de mai, c'est comme ça. Et l'adresse de Thomas Vanier est un pavillon assez cossu dans le centre de Mérignac. D'accord. Alors tu vois un petit jardin devant avec un petit muret facilement comment dire facilement Escaladable. escaladable. Disons que voilà, ça c'est un petit muret d'un mètre de haut, quoi, à peu près, quoi, avec une sorte de portail. Un mètre, c'est pas énorme, hein. Non mais Pour certains, ça peut être infranchissable, hein. moi je suis Ouais. 1m55. Mais Je suis pas sûre d'y arriver, moi, mais t'as bon. un portique pour pouvoir rentrer dans Ah une bah voilà. espèce de grande cour où il y a un petit jardin qui est bien entretenu. Il y a des comment des plantes style ciboulette, etc. Il y a un petit jardin potager, il y a des roses, etc. Il y a des arbustes qui sont bien taillés. Et puis, ouais, un pavillon assez cossu sur plusieurs étages. Sur deux étages, et un toit pentu qui semble avoir aussi peut-être un grenier. Et puis, une grande baie vitrée qui semble avoir été pétée, puisque la grande baie vitrée est remplacée par une espèce de grand morceau de bois, en fait, hein, qui vient, tu sais, genre une D'accord. espèce de. Oui. De plaques en bois en fait hein, qui apparemment c'est récent hein, puisque la fenêtre n'a pas encore été remplacée et tu te retrouves devant la porte de chez Thomas Vanier Bah je frappe. tu te retrouves devant la porte de chez Thomas Vanier Bah je frappe. tu frappes Oui. tu vois un homme d'une trentaine d'années, un petit peu plus, plutôt grand, presque 1m80, assez costaud, enfin pas costaud, mais assez athlétique en fait. Très athlétique, brun, aux tempes plutôt grisonnantes, des traits anguleux. Tu vois qu'il a une barbe de quelques jours. Oui, que puis-je pour vous? Monsieur Vanier? Lui-même? Oui, bonjour Monsieur Vanier, lieutenant Josse de la gendarmerie de Bordeaux. Oui, qu'est-ce qui se passe? J'aurais quelques questions à vous poser. Est-ce que je peux entrer? Oui, je vous en prie, entrez, entrez. Il t'ouvre la porte. Il y a une petite entrée. Tout de suite sur la droite, il y a un escalier qui monte aux étages. Il y a un grand couloir qui mène à une cuisine et tout au fond. Et puis sur ta gauche, pardon, tu as une grande ouverture avec un salon et puis bah, un salon assez un peu dans les un peu comment dire dans le enfin il y a la lumière si tu veux, mais c'est un peu sombre à cause de la grande plaque en bois qui bloque la grande baie vitrée qui est cachée par cette plaque en bois. Et puis tu vois bah, dans le salon il y a une table basse un grand canapé, il y a une grande bibliothèque avec pas mal de livres, une grande table en bois
qui fait office de salon en même temps, enfin de salle à manger en fait, avec une commode, de quoi ranger la vaisselle, etc. Il y a des plantes dans ce salon. Je vous en prie, entrez. Oui, je vous remercie. Bah, qu'est-ce qui vous est arrivé là, à votre baie vitrée? Bah, vous venez peut-être pour ça en fait. Et j'ai fait une déclaration, on m'a cambriolé en fait. Vous venez pas pour ça? Non, mais expliquez-moi. Ah ben, c'est pas compliqué. Je suis rentré un soir avec ma femme et on a découvert cette catastrophe quoi. Tu vois qu'effectivement il manque des choses dans le salon. Ouais, t'as un emplacement pour une grande télé. Et la télé, elle est plus là quoi. Ah, plus de télé. Y a plus de D'accord. télé. Donc oui, bah malheureusement, je me suis fait avec ma femme, on s'est fait cambrioler. D'accord. Bon, je note à moi-même me renseigner sur la déclaration qui a été faite. Je regarde rapidement si je vois s'il y a des photos chez lui ou pas du tout. Oui, il y a des photos de lui et sa femme en fait. Alors c'est une jeune femme d'une trentaine d'années à peu près. Très les cheveux courts, très belle. La voix? Oui. Voilà. Donc tu la vois, plusieurs photos effectivement avec elle, et puis des photos aussi où il a un casque sur les oreilles, et tu le vois en train de tirer avec une arme à feu sur une cible en fait, dans un centre sportif. D'accord. Elle est très jolie, votre épouse. Elle est anglaise, non? Ah bah tu dis ça parce que t'as vu le nom, merde. Non, ça se voit, elle a des taches de rousseur. Elle a des taches de rousseur. Ah bah oui, bien sûr, ouais. Non, je l'imagine rousse avec des taches de rousseur. Ouais, bah c'est un peu ça, ouais. Ouais. Elle est rousse avec des taches de rousseur, effectivement. Oui, effectivement, elle est anglaise. Et il te regarde un peu bizarrement. Comment t'as pu trouver, en fait, qu'elle était anglaise, en gros, quoi. Il me pose pas la question. Non, il ne te pose pas la question. Oui, alors, Monsieur Vanier, en fait, je viens vous voir parce que là, je suis en train d'enquêter sur une affaire et dans le cadre de cette affaire, votre nom est apparu. Et, il s'agit de Madame Sophie Jansky. Est-ce que vous la connaissez? Non, ça me dit rien. Je n'ai pas cette femme. Alors, là. Oui. Tu vas me faire un jet de sagesse. Alors, j'ai un petit étoile devant? Oui. Là, tu peux le faire en avantage. Comment ça se passe en avantage? On peut le lancer deux fois? Bah en fait, t'as une pop-up qui s'ouvre et tu as la possibilité de lancer en avantage. Donc en avantage, il va te lancer 2 dés. Voilà. C'était le cas. Donc c'est un succès. Alors quand il te dit non, je la connais pas, tu vois qu'il s'est mis dans la première des positions, c'est-à-dire les bras croisés en mode défense. Comme tu l'as déjà entendu dire par le lieutenant Huard. Oui, j'ai la voix de Huard qui me dit oui. Et il fait non, il bouge la tête en faisant non, non. Et en mettant ses bras croisés, non, je ne la connais pas, désolé. Quelle relation prétendez-vous avoir que j'ai avec cette femme? Ah bah écoutez, je suis très étonné. Moi, je vais également sortir mon téléphone et lui montrer la photo de Madame Jansky. Ouais. Vraiment, cette femme, vous ne l'avez jamais vue? Ouais, il regarde attentivement, il baisse les bras, il remet les bras en mode défensif, en secouant la tête. Non, ça ne me dit rien. Pourtant,
pourtant, je suis quand même très surprise par ce que vous me dites, parce que c'est une femme qui est très, très dangereuse. Et... Bon ? Oui. Dangereuse, c'est-à-dire... Ah bah là, vous voyez, vous avez été cambriolé. Moi, pour votre protection, c'est la raison pour laquelle je viens vous voir. Ah, vous pensez que c'est cette femme qui m'a cambriolé ? Ah bah je ne sais pas, mais en tout cas... Pour quelle raison ? Je ne la connais même pas. Et en tout cas, elle vous connaît. Elle me connaît ? Mm-hmm. Je vous dis comment j'aurais pu venir vous voir, monsieur Vanier. Ouais, il se gratte la tête. Est-ce que ce serait possible ? Alors, pour tout vous dire, je tire, en fait, je fais du tir sportif à côté de Mérignac, il y a un centre sportif. Mm-hmm. Il est possible, peut-être, que je l'ai rencontré... Ah, là-bas ? Peut-être que, oui, mais sa tête ne me dit rien, en fait. Mais d'accord. Il est possible que... Il est possible qu'elle fait partie aussi du même centre de tir sportif que moi, c'est possible. D'accord. Je vois que c'est explication parce que je ne la connais pas du tout. Enfin, je n'ai jamais rencontré. Hein. D'accord. Bon, bah écoutez, faites attention à vous. Oui. Et puis, bah, je lui donne ma carte hein, si vous avez besoin. Madame était là pendant toute la conversation, non ? Non, elle n'était pas là, sa femme. Non, elle était tout seul. Non. Tu remarques aussi qu'il y avait d'autres photos. Il y a une photo aussi de trois personnes. Donc, il y a sa femme, il y a lui, et puis il y a une petite fille très jolie qui doit avoir 3 ans. Qui est sur des photos, en fait. D'accord. A-t-elle des taches de rousseur ? Attends, parce que... Ouais, mais ça voudrait juste dire que c'est la fille de sa mère. Et oui, oui, non. De toute façon, ouais, c'est vrai. Ok. Bon, bah, prenez soin de vous, faites attention, et si quelque chose vous revient, bah, contactez-moi. Vous avez mon numéro de téléphone. Pas de soucis, je vous préviendrai. De toute façon, ce que je comprends pas trop, c'est la police, il me semble, nationale qui est venue pour le cambriolage, et pas la gendarmerie. Ah oui, mais moi, je suis pas du tout sur votre affaire de cambriolage, comme je vous le disais, il y a j'enquête sur cette personne et sur cette Sophie Jansky. Et dans le cadre de mon enquête, votre nom est apparu, donc je. Oui, non, mais et puis alors avant que vous partiez, puis pour être honnête avec vous, en fait, il n'y a pas que la télé et puis 2-3 babioles qu'on m'a volé. On m'a aussi volé mon arme que j'utilise en fait pour. Pour les tirs au centre sportif. Vous l'avez bien évidemment déclaré à la police judiciaire. Oui, bien sûr, je fais une déclaration. Mais ce que je comprends pas, c'est que mon arme était dans un coffre, en fait. Et on a ouvert le coffre. Mm-hmm. Vous savez, c'est ces coffres avec combinaison, etc. Un peu ceux qu'on trouve dans les hôtels. Ah oui, ouais, vous savez... Il était dans ma chambre, au-dessus d'une étagère... à la portée pas à la portée de mon enfant, vous voyez, donc vraiment très haut et ce que je comprends pas, c'est qu'il a pas été fracturé. Ah. Ce que j'ai indiqué à l'inspecteur qui s'est occupé de mon cambriolage. Ah, vous avez le nom de l'inspecteur en charge de cette enquête ? Faudrait que je retrouve. Je retrouverai dans mes papiers, parce que je dois avoir une déclaration, etc., avec l'inspecteur qui s'est occupé, et je vous tiens au courant, je vous téléphonerai. Oui, il monte ta carte, j'ai votre numéro, donc je vous appellerai. Mais effectivement, il y a beaucoup de questions là sur votre affaire. Écoutez, si vous pouvez apporter des éclaircissements. Oui, bien évidemment. Très parfait. Vous pouvez compter sur moi. Tu quittes Mérignac. Ça t'a pas pris longtemps, hein, ça non. T'a pris un petit quart d'heure avec lui, un petit quart d'heure d'aller, un petit quart d'heure de retour. Donc on est à 3 quarts d'heure, quoi. Donc 1 heure à peu près. Hein.
Quand tu reviens à la gendarmerie. Ah oui, alors moi, je dois être toute seule. C'est la première à revenir. Ouais, je dois être toute seule parce qu'il n'y a pas... Alors moi, j'ai une question. On est bien d'accord que la gendarmerie et la police judiciaire n'échangent pas, en fait. Là, j'ai pas de... Si j'appelle la police nationale, ils vont pas me renseigner sur cette affaire, en gros. Faudrait que... Si. Enfin, il y a quand même de meilleures relations qu'il n'y avait dans les années 70-80 entre la gendarmerie et puis la police nationale. Mmh. Donc, si tu leur téléphones, je pense que tu peux avoir forcément des renseignements. Ils vont pas. Après, il y a Anacrim. Anacrim regroupe tout, quoi. Donc. Je vais passer par Anacrim pour avoir des informations par rapport à ce qui s'est passé. Oui. Comme le lieutenant Huard m'a parlé dans ma tête et le fait qu'il mente, je vais en parler au capitaine Tellier et je me demande si je voudrais savoir s'il est possible de mettre son téléphone sur écoute, si c'est possible ou pas. Alors, il faut il me faut des raisons. Pour une bonne raison, quand même. Ouais. Pour les écoutes téléphoniques. C'est pour ça. Oui, je viens d'entendre le capitaine Tellier dans ma tête et qui me dit. Une commission rogatoire avec vraiment une. Des faits et des preuves, en fait. Et chose que là, pour l'instant, vous n'avez pas. D'accord. C'est le problème, en fait. Hein. C'est tout le problème. Et comme personne n'est là, en attendant, je vais faire des recherches sur le petit village là dont on a parlé tout à l'heure. Je cherche. Créon. Ouais, Créon. Et en fait, je vais faire des recherches plus pour voir si je trouve une maison à l'extérieur du village, plutôt grande, assez éloignée ou. Voilà. Mmh, ok, d'accord. Et puis je vais aller sur mon téléphone aussi, voir si je peux pas avoir. Si je peux pas faire un truc ce soir, quoi. Parce qu'il m'a bien fatigué, le vanier, là. T'as vanné. Oui, c'est ça. Et on est bien d'accord, Capitaine Tellier. Effectivement, seule une personne intime peut connaître le coffre. Hein. Ah oui, enfin, d'après ce que vous me racontez. Ça sent la liaison à plein nez, cette affaire. Alors, je vais faire une ellipse. Chacun est revenu, en fait, à la gendarmerie. On va dire qu'il est 5h30, voilà, que tout le monde se retrouve à la gendarmerie. Oui. Hop, 17h30. Tac. Je suppose que vous faites un briefing de toutes les informations que vous avez pu obtenir sur différentes différentes histoires. Et avant de stopper, je vais vous demander pour la prochaine séance que vous comptez faire. Donc je sais déjà pour le lieutenant Noir que tu vas essayer de te renseigner sur un éventuel procès verbal, etc., effectué par la police nationale sur un cambriolage. Le cambriolage de Vanier. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient faire des recherches avec toutes les informations que vous avez maintenant? Commission rogatoire avec Lopez pour peut-être une fouille sur chez Ménard. C'est ça, ce que j'allais te dire. Est-ce qu'on a suffisamment pour... Le problème, c'est que vous avez juste le relevé téléphonique, quoi. Ça, qui le relie donc à une personne qui... Donc... La seule chose que vous pourrez faire, c'est emmener en fait Ménard à la gendarmerie pour lui poser des questions. Le convoquer. Mmh. Ouais. Mais vu comme il était loquace. Oui, puis il viendra avec ses avocats, donc ça va être. Et est-ce qu'on pourrait pas
Bah, c'est un bled, mais non, du coup, il n'y a pas de caméra pour voir s'il n'y a pas une voiture et tout ça. Parce que je me disais, si on voyait la voiture de. Non, il n'y a rien. Non. Il n'y a rien, c'est chiant. Il n'y a même pas une mairie. Il n'y a même pas de mairie. Il y a un café, mais il n'y a pas de mairie. Ouais. C'est pas le café, épicerie, boulangerie, quoi. Non, mais tant qu'on n'a rien de plus, on peut pas y aller voir parce que c'est clair que. C'est compliqué. Et le convoquer maintenant serait trop tôt, je pense. On n'a rien, quoi. La seule chose qu'on a, c'est que on sait qu'il a eu des contacts téléphoniques avec, avec Sophie. Ça, c'est la seule chose qu'on a en preuve. On peut même lui mettre sous le nez hein, que voilà. Après, on n'a pas la durée de la conversation. Non, on a juste ouais. Faux numéro quoi. De temps. Il peut jouer là-dessus. Hein. Après, lui, c'est peut-être pas qu'on ne sait pas. Tu sais, c'est. Il y a écrit quoi sur le relevé? Je crois qu'il y a juste écrit la durée totale. Il y a écrit c'est quoi son nom déjà? Ménard, deux appels, durée moyenne des appels, 4 minutes quoi. 7 minutes, c'est pas grand chose en plus. Hein. Elle a parlé beaucoup plus longtemps que ça. Ouais. Du coup, moi je suspecte peut-être que Sophie est planquée chez lui, mais après, je vois pas trop. Donc pour vous, Sophie, elle est planquée chez Ménard, c'est ça? Bah, ça me paraissait bien, c'est isolé, il n'y a pas de caméra, tout ça, c'est un bon endroit pour se planquer. Après. Vous n'avez pas vu de traces de la Fuego, par contre hein. Bah, on n'a pas vu de traces de grand chose vu qu'on n'est pas pu rentrer, mais bon. Peut-être. Après, il y a de quoi mettre. Comme c'est une vieille bâtisse retapée, grange, etc. Il y a de quoi, effectivement, dans la bâtisse supplémentaire, là où. Comment dire. On distingue de la maison en fait, hein, y a effectivement une grande grange qui pourrait contenir plusieurs bagnoles, quoi, c'est sûr. Moi je trouvais que c'était un bon endroit pour se planquer. Après. Et clairement, surtout que bon, il a peut-être un passé militaire, elle aussi, donc il aurait pu se connaître aussi à l'armée, quoi. C'est peut-être un légionnaire, hein, comme dit Brochard. Hein, ouais. Mais voilà, par contre, on n'a rien pour demander un mandat, enfin je vois pas. Non, c'est le problème. Et pareil pour le docteur Lopez. On n'a rien non plus. Alors, on a rien non plus pour le docteur Lopez. Non, pas le docteur Lopez. L'Ormier, c'est juge d'instruction. Pardon. L'Ormier. Je Madame comprends. Maître Lopez. Je comprends pourquoi t'as du mal à poser des questions. Hein. Par contre, il y a la voisine. Ana Suarez. Je sais plus comment elle s'appelle. On n'avait pas son nom. On a la voisine qui avait les clés, qui pourrait savoir des choses. Ah, la personne qui est rentrée, tu veux dire. Ouais. Ah oui, la personne qui est rentrée, celle que vous avez photographiée. Voilà. Okay. Bah, je sais pas, il y a plusieurs plaques, non, sur. Non, il n'y a qu'une plaque, il n'y a que la sienne. Il n'y a qu'une plaque, la sienne. Genre boîte aux lettres. C'est peut-être sa femme. La boîte aux lettres, ouais. Ouais, on peut se renseigner, mais bon, ça doit être sa femme, le téléphone de Sophie, on l'a pas, de toute façon. Non. On n'a pas retrouvé de téléphone. Non. J'ai une question juste comme ça. Sophie, on a retrouvé son corps? Non. On sait pas où elle est. On sait pas où elle est. Ouais. Et comme on suspecte que c'est elle la meurtrière, en fait. En tout cas, elle est hautement suspecte. Ouais. C'est notre suspecte numéro 1 pour l'instant. Ouais, après, avec qui on la sait vengeance. Pas trop. Mais le problème, c'est qu'on sait pas où elle est. Déjà, on sait pas où elle est. On n'a pas de choses très concrètes, en dehors que peut-être ça serait une vengeance exercée contre... Pour le coup, on peut quand même effectivement faire une commission rogatoire en disant qu'il abrite peut-être une meurtrière chez lui. Bah, je sais pas, ça suffit ou pas de dire ça, suspicion Parce que on a notre... Voilà. On n'a pas le droit... D'infiltrer des gens, non. Faudrait quelque chose de non, plus solide. Non, par contre, on peut les suivre. En fait, on pourrait les les surveiller. On peut les mettre sous surveillance, en fait. Ouais, sur écoute aussi. Écoute, hein. Non, sur écoute. Faut une commission aussi. Mmh, oui, et puis il faut que tu aies suffisamment d'éléments. Là, il n'y a pas assez de preuves, comme on disait tout à l'heure. Ah, mais bon, surveiller quelqu'un en pleine campagne, ça va être dur de pas se faire voir. Comme je vais dire, dans la ferme. Ah, bah. Parce que. De chez lui, il voit que ça, quoi. Tout autour, il y a des vignobles, il y a une route qui emmène chez eux, tu vois. Et vous avez vu que c'était. Comment dire? On vous voit arriver, quoi. On envoie mes salis cachés dans une fougère. Oui, voilà. Ah, oui, lui qui veut faire l'hygiène. Et si on envoie mes salis au marché acheter des tableaux? Jeudi. Vu qu'il le connaît pas.
Jeudi. Et après, que pour une raison ou pour une autre, ouais, mais on n'a pas le droit de rentrer chez les gens sans dire qu'on est flic, qu'on est gendarme. Et puis aussi, on voulait appeler Christophe Chappeur aussi. Alors, voilà, c'était, ça fera partie des choses qu'on voudra faire la prochaine fois. Mais on l'a son téléphone, allez. Ouais, on a tout. Non, et par contre, il y a un truc qu'on n'a pas fait. On y allait dans l'espèce de château. Non. Où l'autre est mort. Dardaniac. On n'y est jamais allé à Dardaniac là. Non. Non. C'est vrai c'est que ça. C'est ça qu'il faudra qu'on fasse aussi. Oui. Parce que là, les autres pistes, c'est pas que. Moi, je suspecte fortement Ménard de ça, mais je vois pas comment l'interpeller. Vous voulez récupérer le testament de Citon aussi. Il faudrait établir en fait le lien entre Ménard et Yonski. Faut creuser sur Ménard alors. Ouais, si on arrive à trouver qu'ils se connaissent. Sur Ménard, je sais pas comment. On a la piste effectivement après, de la mairie, du cadastre, etc. Mais après. Après, on a pareil, Vanier, il m'a menti aussi. Hein. Il ment, oui. Bah là, peut-être qu'il faudra l'enquêter au centre de tir de Mérignac. T'as peut-être un truc plus concret que nous tous, c'est ça peut-être. Mmh. Ouais. Et lui, pour le coup, on peut le faire craquer, je pense. Au centre de tir, si jamais ils ont vu Sophie, on aurait peut-être d'autres pistes. Oui. S'ils avaient une liaison, on va dire, ça s'est su au centre de tir. Et ça, ça pourrait. Ça, c'est peut-être plus facile à, ouais. À enquêter. Parce que Ménard, si on arrive à trouver un lien, ça serait bien, mais... Est-ce qu'on est sûr que Sophie était au centre de tir, au moins? Ben, c'est ce que nous dit Vanier, mais est-ce qu'il raconte pas de la merde, on sait pas. Ouais, là, dans la journée, on peut appeler le centre de tir, savoir s'ils ont une Sophie en ski qui est... Oui, je crois qu'on avait cette info, non? Comme quoi elle tirait, non? Je sais pas. Ouais, mais à ce club-là, quoi. Ça, c'est rapidement consultable, hein? Oui. Par téléphone. Oui. Il n'y a pas de Sophie Yonski dans le centre sportif de Mérignac. Ouais, mais peut-être qu'il faut y aller avec la photo. Parce que... En tout cas, dans un registre, il n'y a rien. Il n'y a pas de... y a pas son nom. Mais parce que si on va au centre de Mérignac avec la photo qui disent qu'ils ne connaissent pas la fille, du coup, là, on peut retourner chez Vanier en lui disant qu'il a raconté de la merde, peut-être. Enfin, je sais obstruction. Pas. Pst, menottes. Cassage de bras dans la foulée. Clac. Oh, une erreur. Pardon, chef. À partir du moment où quelqu'un ment, effectivement, et que vous trouvez la mensonge, c'est une obstruction à... Oui, vous pouvez l'embarquer pour, effectivement, avoir plus de comment dire, d'informations en interrogeant à la gendarmerie. Donc, si Vanier, ça te paraît être le point maillon faible, il faut qu'on le vérifie au centre de tir avec la photo de Sophie, et puis peut-être sa photo à lui. Si tu veux, on y va les deux au prochain coup. Et puis ensuite, s'il nous a menti, s'il nous a dit la vérité, on verra ce qu'ils en disent. Si jamais il nous a menti qu'ils n'ont jamais vu la fille, on peut retourner chez Vanier en lui disant, ben voilà, on vous embarque. Et de toute façon, on l'embarque pour lui foutre les boules, quoi. Ouais, après, est-ce qu'il nous a pas dit ça aussi? Parce qu'il y avait sa femme pas loin. Non, mais elle était pas là, sa femme. Il y avait juste la photo. Ah, oui, c'était la photo. Oui, pardon, excusez-moi. Non, mais si on l'embarque, le mec, il va avoir un peu. Être un petit peu impressionné. Ouais, puis c'est un magnétiseur, ça va être quelqu'un de faible. Ou de sensible. Sensible, capitaine. Mais du coup, lui, je vois qu'on peut faire quelque chose. Oui, faible. Après Ménard, est-ce que du même système, on sait très bien qu'il a parlé à Sophie au téléphone, mais d'un autre côté, il peut dire, c'est un appel très court, il peut dire, bon, j'en sais rien, c'était deux un appels. Numéro. Il y a eu deux appels, en fait. Bah, il se serait trompé deux fois. Ouais. Ben, lui, non, mais c'est lui qui a appelé. Est-ce que c'est lui qui a appelé? Attends, ça se marche, Jean-Claude, ça. En 30. Il y a les deux, je crois. Ah, mais c'est lui qui a appelé. Pour le coup, là, on peut le convoquer, effectivement, parce qu'il nous a dit le contraire. Ah, vous avez serré le vœu téléphonique, tu peux lui mettre sur le nez, regardez, vous avez appelé. C'est ça. Vous avez appelé cette personne. Là, tu peux avoir une commission regarde-toi. Ouais, là, du coup, bien joué. C'est ce qu'on va faire, ouais. Parce que, effectivement, bien joué. Il a appelé, il peut pas l'avoir appelé s'il la connaît. Parce que vous avez la preuve des relevés téléphoniques. Donc, il y a une preuve qui vous ment, puisque c'est lui qui l'a appelé. Donc, forcément, il la connaît. Pourquoi vous avez appelé cette personne? Oui. Et Vanier, du coup, c'est pareil, c'est lui qui appelle ou c'est elle? Vanier. Il y a deux entrées. Ça marche. Ouais, il y a deux entrées, mais c'est dans les deux sens avec Vanier. Oui. Oui, dans les deux sens. Oui. Ouais, bah, pareil. Pareil. Donc en fait, deux choses, parce que s'il a monté pour le centre de tir, plus ça, moi je dis, on embarque les deux là. Un dans la salle 1, un dans la salle 2.
Et Messali qui fait des allers-retours. Avec son ballon et son couteau. Et s'ils se connaissent, on fait comme dans les films, on les fait se croiser, et puis après on leur dit « Ouais, de toute façon, il y a l'autre qui a tout dit, il a tout balancé, bon, il a tout balancé, t'es fini, voilà, de toute façon... » Bon, bref. Mais on peut embarquer les deux, alors. Oui, bon, effectivement. Y a, on va faire... Le docteur Lormier, on peut pas, mais oui. On fera après. Et donc, Magister, tu peux noter aussi que je fais des recherches sur des baraques autour de... Ah oui, recherche... Des maisons, maison, des grosses maisons... maisons voilà. Importantes sur Créon. Oui, et puis... Mais moi, et les alentours. J'irai oui. Avec le lieutenant Joss pour faire craquer Vanier, là. On vous laisse. On vous laisse, Ménard. Alors. Le Belge. Capitaine Tellier, tu refais un petit tour oui. Sur les réseaux sociaux, parce que Ménard, ça te... Intrigué, ouais. T'es intrigué par Ménard, et puis bon... Bon, Vanier, c'est pareil, après tout ce qu'on t'a dit, toi, tu fais un petit tour sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, c'est mon erreur. C'est tellement bien planqué, les informations, que... Ah, mais je maîtrise pas très bien les réseaux sociaux non plus. Bah, moi non plus. Bah, moi non plus. Hein. J'ai du mal. Donc, effectivement... Alors, j'ai reperdu la page. Non, mais c'est pas possible. Hein. Donc, effectivement, tu trouves des informations sur Ménard, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Il y a une page Facebook. Ainsi que Vanier, il a une page Facebook. Mais tu descends, peut-être tu scrolles parce qu'il y a des choses. Bon, tu veux avoir jusqu'à la naissance de sa page Facebook, en gros, quoi. Et savoir ce qu'il a posté, etc. Il a suivi comme histoire, etc. Alors, etc. sur Facebook. En ce qui concerne Pierre Ménard, tu vois que non seulement il a une page Facebook où il poste régulièrement des petits messages. Sur les pièges, en fait, et les joies du métier de traducteur. Donc, sa page Facebook, elle a été créée en 2005. Tiens, décidément. Mais tu vois qu'il possède aussi un compte LinkedIn. On parle de Vanier, hein, c'est ça? LinkedIn, ouais, Ménard. Ménard, on parle de Ménard, c'est ça. L'inconnu. C'est ça, on parle de Vanier. Donc il a un compte LinkedIn. En fait, c'est pour son job de traducteur, c'est pour son boulot effectivement. Quoi. Qui date de Thomas, 2005 aussi. Qui date de 2005 aussi. Mon premier CV date de cette époque-là. Avec, je crois que je peux te donner peut-être des informations sur son CV supplémentaire. Il est traducteur quoi, français, belge? Oui, c'est non, anglais. Oh, bah parce que tu sais. Non, il est traducteur anglais. En anglais, ouais, anglais, français. On a quand même la famille, je sais plus laquelle, là, qui est en rapport avec l'Angleterre, ça. Yes. Il y a beaucoup. Alors, par contre, attends, chercher un truc, je sais plus ce que c'est. LinkedIn. Ouais, donc ça, c'est sur... LinkedIn. Attendez, hein. Ouais, mais t'as raison, c'est peut-être un film, hein, les trucs anglais. Hein. Faudra qu'on regarde. Hein. Ouais, ça commence à faire beaucoup de rapports avec l'Angleterre. Pour demander à Willy machin, Willy Nelson. Capitaine Brochard, vous avez un souci avec les Anglais? Bien sûr, on a perdu la guerre contre ces fumiers. Si on les fait venir au poste, on leur prend leurs empreintes quand ils viennent au poste. Si on les embarque, on peut leur prendre leurs empreintes ou pas? Oui. Parce que si en fait d'être belge, il était anglais et puis pour ça qu'il parle bien anglais et qu'on envoie ses empreintes à... Oui. On envoie ses empreintes après à ton pote anglais, ton Joss. Peut-être après, que... prise de sang et empreintes, là. test ADN et tout le travail. Ouais, allez-y, crachez. Il y a effectivement sur son compte LinkedIn, bon, vraiment son CV sur le fait qu'il soit traducteur, etc. Donc, voilà. Et ses différents boulots qu'il a eus en tant que traducteur, en fait. Ensuite, sur Thomas Vanier, il a une page Facebook qui est peu active. Et tu vois qu'il répercute pas mal de messages, en fait. Hein. Il y a très peu de commentaires de ses messages. Hein. Mais il répercute, il partage, en fait, hein, beaucoup de messages qui viennent d'un peu partout sur le magnétisme. Mais aussi sur le paranormal en général.
Et tu vois qu'il s'abstient en fait de les commenter. Donc il n'y a pas de commentaires de sa part, mais il y a juste des partages de différents articles ou différentes choses sur le magnétisme, le paranormal. Voilà, ça a rien de dérangeant en fait. Hein. Par contre, en scrollant et en remontant un peu, en janvier, il a republié une annonce d'une marche blanche d'une certaine Mélissa Laplace, qui a une sorte de marche blanche pour cette jeune fille, comme il y a eu d'ailleurs des dizaines de milliers d'autres personnes qui l'ont fait. Hein. D'accord. Et il possède aussi, Vanier, un site professionnel pour... c'est une page basique, en fait, hein, pour ses activités. Il donne ses coordonnées, le numéro de téléphone pour le joindre, etc. Pour revenir l'être aimé, etc. Ouais, c'est pas le marabout, hein. Non, pareil, t'as mal au genou, tu vas le voir. Voilà, répare votre voiture à distance, tout ça. Non, ça marche pas, c'est pas ça, hein. Mais effectivement, c'est plutôt le coupe-feu, pas l'hypnotisme, mais le mimétisme, etc. Je vous conjure vos verrues. Les pierres, les machins. Voilà, c'est un peu le marabouteux du coin, quoi, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Voilà. Excuse-moi, est-ce que tu peux rappeler le nom? Mélissa Laplace. Merci. Mélissa Laplace. Et du coup, j'ai des recherches sur elle. On doit savoir de quoi elle est morte. C'est Laplace, d'accord. On verra ça la prochaine fois, peut-être. Je pense qu'on verra ça la prochaine fois. On a pas assez d'infos pour ce soir là. Et donc on va stopper effectivement sur peut-être. On en aura deux à embarquer la prochaine fois. Parfait. C'est ça. Voilà. Ménard, ressort ton. Mais Sally, ressort ton ballon là. Il va falloir. Deux interrogatoires, Mais Sally.